Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tagine de veau à l'artichaut et au petit pois. Très rapide à réaliser, très simple hein, comme d'habitude. Hein. Donc on aura besoin de deux oignons, deux gros oignons qu'on émince en lamelles. Donc j'ai mis un filet d'huile d'olive en mode doré. Je fais dorer ma viande, mon veau. Quelques minutes et je vais rajouter mes oignons. Voilà, j'ai rajouté mes deux gros oignons coupés en lamelles et là on fait dorer quelques minutes. On continue à faire dorer quelques minutes. Je rajoute une cuillère à café de sel. Ça va permettre aux oignons de dégorger. Alors, mes oignons ont dégorgé et aussi sont devenus translucides. Je rajoute une cuillère à café de paprika, deux cuillères à café de curcuma, du sel, du poivre et du gingembre. Vous pouvez aussi rajouter du cumin pour ceux qui aiment. Je continue à faire dorer quelques minutes, 2 minutes exactement, hein, pas plus. Et je vais rajouter 3 gousses d'ail que je presse avec mon presse-ail. On décolle les sucs au fur et à mesure. Et je vais rajouter 350 ml de bouillon de veau. Alors, bouillon de veau, de bœuf, ce que vous avez sous la main, vous mettez, ça ira aussi. On décolle bien les sucs. On remue bien comme il faut. Pour bien décoller les sucs pour éviter les codes d'erreur. Et je vais mettre en mode sous pression pendant 15 minutes. Puis je rajouterai mes fonds d'artichaut et après je rajouterai aussi mes petits pois et mon persil. Donc cuisson sous pression 15 minutes. Voilà ce que ça donne après 15 minutes de cuisson. Ma viande n'est pas tout à fait cuite, presque. Je vais rajouter mes fonds d'artichaut. Alors c'est des fonds d'artichaut que j'ai achetés comme ça déjà congelés. Et là, je vais mettre en mode sous pression pendant 10 minutes supplémentaires. Voilà ce que ça donne. Je rajoute 100 g de petits pois et une demi-botte de persil ou de coriandre ou les deux, comme vous aimez, c'est comme vous voulez. Vous avez deux choix dans cette... À cette étape de la recette, soit vous laissez mijoter, enfin dorer encore bien entre 5 et 15 minutes de cuisson, le temps que en fait la sauce devient un peu plus consistante, ou sinon vous mettez comme moi, c'est ce que je vais faire, en mode sous pression pendant 5 minutes. Pressé par le temps. Après ces 5 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Ma sauce a réduit, mes fonds d'artichaut sont cuits, tout est cuit. Il n'y a plus qu'à servir. Et voilà. Ça sent très bon dans la cuisine. Il n'y a plus qu'à manger un pur régal. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à me laisser des commentaires, ça me fera plaisir. Bon appétit, à bientôt!